Good morning, mes petits canassons. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un week-end de vlog. Alors oui, vous voyez, le décor derrière moi est un peu différent. Ça y est, j'ai déménagé, comme beaucoup d'entre vous le savent, sur les réseaux sociaux parce que je vous ai fait chier comme c'est pas permis. Ça fait maintenant une semaine que je suis dans ma nouvelle colocation et j'ai envie de vous montrer un petit peu ma nouvelle vie ici parce que je suis dans un quartier complètement différent de celui où j'étais avant. Je vous raconte pas comment ça plaît 10 fois mieux. En fait, je suis dans un quartier beaucoup plus... beaucoup plus riche déjà. Disons que je serais pas de me laisser, de laisser un truc dehors sans qu'on me le vole dans une seconde après, voilà. Comme mon vélo. Pardon, j'ai encore les boules. Non, non. Et puis du coup, vous allez me suivre pendant ce week-end. Donc là, je vais me faire mon petit déjeuner, parce qu'on est samedi matin. Et ensuite, je vais aller au sport ce matin. Programme Power Yoga. Et ensuite, Nia. Donc une forme de danse, fitness et... avec des côtés kick de combat. Ensuite, programme Ikea. Ensuite, programme soirée. Et voilà. Bref, vous allez me suivre de toute façon, vous verrez bien tout ça. Et je vous emmène pour mon petit déjeuner. Donc, je vais manger pour mon petit déjeuner du yaourt Alpro au soja. Je vais aussi manger ce super, j'adore ce muesli, il est juste divin, il y a des petites cacahuètes dedans, il est genre, regardez les stoutaten, enfin, il y a vraiment, c'est que du bon. Alors donc voilà finalement le repas final. Donc comme vous avez vu, voilà j'ai fait mon muesli avec mon yaourt, mes céréales, pommes, noix de coco râpées, graines de chia. Et à côté, j'ai fait un petit somi, bien sûr, smoothie. Donc, qui est à base d'une banane, d'eau, de noix de coco et de poudre de carob. Voilà. De quoi être en forme pour tout à l'heure, le sport et tout ça, tout ça. Et les courses aussi, je dois faire des courses d'ailleurs. Oh, trop mignon, Beauté Pio vient de dire qu'elle avait acheté de la base Melt & Pour pour faire des savons, parce qu'après avoir vu ma vidéo. Cool, merci, c'est sympa. Tu me diras ce que t'en. Enfin. En tout cas, moi j'aime beaucoup, hein. Je sais que l'huile de palme c'est un truc problématique, ça me fait chier, enfin ça m'embête aussi, pardon. Mais voilà, bon, hein. À bientôt. Coucou, alors je vous retrouve toujours sans maquillage. Donc là je vais faire les courses et je vous présente ce chez moi là-bas. Donc c'est un peu résidentiel, c'est super sympa, c'est hyper calme, il y a des enfants qui jouent l'après-midi, les barbecues entre voisins, enfin c'est ambiance top top. Et en fait, il faut absolument... Oh, j'ai un truc sur l'écran. Excusez-moi, j'espère que c'est pas ça. Et puis ouais, parce que j'ai découvert que dans le magasin qu'il y avait maintenant à côté de chez moi, il y a trop de trucs vegan, c'est un truc de malade. Je vous présente la rue. Du coup, je voulais absolument vous montrer ça et tout, plein de produits que je connaissais pas du tout. Enfin, on voit qu'on est dans un quartier un peu différent du mien. Mais c'est super sympa, par contre c'est hyper cher, c'est Edeka et celui-là, enfin c'est Edeka et Rêver, c'est les plus chers généralement. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore plus cher que là où j'étais chez moi. Donc bon, ça fait mal le course, surtout que là je rachète tous les produits de base un petit peu à cause du déménagement. Excusez-moi pour le bruit des voitures. Ah, il y a déjà les gens qui courent pour aller jusqu'au Stadtpark parce que j'habite juste à côté d'un endroit pour courir qui est génial, enfin du poudin, des grands parcs de la ville. On peut aller se baigner aussi dans le lac qui est au milieu, c'est trop cool. Alors tout ça c'est le rayon bio, notamment des mayonnaises, de l'aioli, des currys sans œufs, complètement vegan, comme par exemple celui-ci, donc une mayonnaise à utiliser en salade par exemple. Il y a du tahini, il y a tout ce que vous voulez, tous les pâtés végétaux. Ici il y a carrément des poudres de plantes, des graines de chia en livraison comme ça, simplement dans le magasin du coin, quoi. C'est juste ouf. Tout ça c'est la partie sans gluten de chair. Qui est une marque très connue hein, dans le sans gluten. Donc là, il y a vraiment, je pense qu'il y a toutes les sortes. De l'autre côté, ici, on est dans les produits frais. Il y a tout ce qu'il faut en steak mariné de soja, notamment tout ce qui ressemble à des filets, des, comme on appelle ça, des fourrés au fromage, etc. Ils ne sont pas tous végans, il y en a certains qui sont végétariens. Là, c'est tout ce qui est saucisses, pâte à tartiner. Il y a même du fromage râpé qui est ramolli, ainsi que du fromage tout court vegan, il y a des boulettes de légumes, des faux boulettes, des saucisses à griller, des, toutes les sortes de tofu, notamment celui-ci qui est délicieux, c'est du tofu mariné aux herbes. Et là, c'est toute une partie donc faux fromage.
Bah ça, c'est ce que j'ai acheté. Des courses. J'ai récupéré des topinambours. J'ai marrant, j'ai expliqué à la caissière ce que c'était que les topinambours. J'ai acheté une bonne part de bananes. Un total de 6 carottes. 3 pommes de terre. Je vais pas être grosse manger 2 pommes de terre, contrairement aux gens d'ici. Un citron vert. Un petit morceau de gingembre. De la moutarde de Gijon à l'ancienne bio. De la coriandre en poudre. De la sauce teriyaki. Champignons de Paris congelés. Un mélange de fruits des bois. Congelé aussi, bien sûr. Des fraises, même si c'est la saison. Et le dernier, ouais, le petit dernier, c'est du laurier. J'ai fait des lauriers pour une petite recette que je prévois. Salut, salut. Et en plus, j'ai ma nouvelle bouteille pour boire. Alors j'espère juste qu'elle sera étanche, c'est mon problème. Toujours avec les bouteilles comme ça. Pas cher du tout, genre même pas 4 euros chez Edeka. Toudou, je vais emporter au sport. Là, je vais au sport avec ma coloc. Donc je peux vous montrer un petit peu ma tenue. Donc voilà, j'ai un petit haut H&M sympa avec le soutien-gorge H&M qui fait des nénés de folie. J'ai noué autour de ma table parce qu'il fait quand même vachement chaud. Mon gilet Adidas. Et puis j'ai mon pantalon. Je vous change de sens. Hop. J'ai mon pantalon d'une marque inconnue. Voilà. Legging 3/4 et mes chaussures de chez Asics que vous avez déjà vu. Et mes affaires de sport. Allez, allô, donc ça y est, je suis sortie du sport. Là, je rentre à la maison, je me suis enfin, excusez-moi si je vous regarde pas, c'est que forcément je roule. Donc je me suis enfin inscrite et abonnée au système un peu comme les Vélib de Paris, mais en bourg. Ils sont vraiment pas mal, hein. Je veux dire, j'ai l'impression qu'ils sont de meilleure qualité, les vélos, je veux dire. Et du coup, là, je suis dans le Stadtpark, donc le parc est à côté de chez moi, qui est magnifique, vous avez déjà vu les images en arrivant, enfin, dans l'autre sens. Voilà, où je rentre. Ça y est, les gens commencent déjà à griller, à tout faire. Je sais pas. Un petit coin de Paris. J'avais encore jamais vlogué à vélo. C'est une expérience intéressante. Il y en a qui vloguent en voiture, moi c'est à vélo. Ah, on arrive sur le lac. Ah, attendez, faut que je vous montre. Il est vachement beau. Excusez-moi si je vous tiens à peu près, mais j'ai pas de... Alors, regardez. Enfin, le lac, c'est... jardin. Yum 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 yum. Comme du brownie, incroyable, avec un petit lait d'avoine. Moi, je vous dis bonne dame, la vie est belle. C'est bien de faire du sport, après il y a la récompense. Hey, je me suis fait belle, les amis. Et je tourne et vous allez avoir envie de vomir. Donc je vais m'arrêter de tourner. Voilà, je me suis fait un peu plus présentable, plus de ville. Le temps est magnifique. Fais-toi la mise au point. Il y a un beau ciel bleu par la fenêtre. Mais c'est prévu qu'il normalement il se mettra à pleuvoir. Je ne sais pas quand.
Donc on va voir ce que ça va donner. En attendant, là, faut que je voie pour aller à Ikea. Il est déjà bientôt 16h, hein, n'empêche. Donc il faudrait que je me dépêche un petit peu parce que là, j'ai trop besoin de plein de choses pour ma chambre parce qu'il manque des rangements, vous savez, les rangements sous les lits et tout ça. Voilà. Alors du coup, tant qu'à faire, tant qu'à partir à Ikea, je voulais carrément vous montrer ma petite tenue du jour. Donc j'ai tout simplement un t-shirt rouge de la marque Kukai. En fait il y a des petits non pas du tout de et je voulais vous montrer le dos parce que le dos est intéressant. Ah voilà, le dos, bah, vous voyez la dentelle jusqu'en bas en fait quasiment. C'est très sympa, c'est très bonne qualité, forcément c'est Kukai mais il date de plusieurs années, donc du coup, et ben malheureusement, vous pouvez pas le trouver. Je pense. Le collier, quant à lui, je pense qu'il vient d'un truc du genre Claire's. Ouais, je pense que c'est Claire's celui-là. Donc, c'est vrai que c'est un collier, c'est le genre de collier maintenant qui est assez à la mode avec plusieurs crans, etc. Mais il date pareil depuis de plusieurs années avec une petite abeille en fait. Bref, je me tais. Sinon, bah, ceinture, hein, tout simplement. Voilà, et puis jean. Et puis, petite chaussure Ben Simon, parce que moi j'adore, j'aime beaucoup les Ben Simon, elles suivent vite, mais elles sont un peu chères pour du coup la qualité je trouve, mais elles sont si confortables les gens. Voilà, donc petite tenue décontracte. J'ai arraché une pétale en croyant que la plante était fausse. Bon bah les amis, voilà, je viens de rentrer. Voilà le butin, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai récupéré. Ah, j'ai pris tout simplement une espèce de petite... voilà, bah, le lit, il est cendra là, j'ai fait la lessive. Donc c'est une petite poubelle. Oh, il y a un truc à l'intérieur. Là j'ai donc tout un truc, vous savez, pour compartimenter les trucs comme ça là en bas là-bas. Voilà. Voilà. Et ensuite j'en ai pris deux comme ça. C'en est deux qu'on peut. C'est genre pour pour mettre des trucs sous le lit en fait, tout simplement. Ensuite, j'ai pris tout un pack de trucs pour réfrigérer, pour congeler les choses, des sacs à congélation. Alors là, c'est une histoire assez rigolote. Donc, ce sont des serviettes en papier avec des formes géométriques. Il faut savoir, dans la famille, on a une espèce d'obsession de la serviette en papier, hein, même si c'est pas très écologique. Et donc ça, en fait, on l'utilise dans toutes les occasions. Et en fait, ma mère ne pouvait pas aller souvent chez Ikea parce que Ikea, c'est un peu loin à Paris. C'est, faut prendre RER. Non, c'est très compliqué, la voiture, quoi. Elle a pas de voiture, ma mère. Donc, du coup, je lui offre des serviettes Ikea. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'ai pris des petites boîtes de différents formats, boîtes à congélation ou autre. Ensuite, des cintres, tout bêtement. Voilà. Je vais pas vous montrer plus parce qu'ils veulent pas partir sortir pour pouvoir ranger dans mes placards. Parce que là, les robes, vous savez, vous voyez, elles sont genre sur la tringle parce qu'il n'y a pas de cintre. Voilà, ça fait stupide. Bon, sinon, là, je vais me refaire une beauté parce que je vais partir en soirée. Il faut que je passe vite fait faire des courses de nouveau, genre pour acheter un truc à boire, un truc à manger pour ce soir. Je sais pas encore si je me change parce que là, je sais pas, faut que je regarde. Bon, en fait, j'ai fait quelque chose de complètement différent, du genre relax. Un petit gilet Hollister, voilà, puis tout simplement, et puis on va sortir comme ça, on s'en bat les couilles. Ici, en Allemagne, les boîtes, c'est vraiment libre d'accès, des fois, c'est même pas payant, donc... Enfin, en tout cas, ici où je suis, c'est des espèces de barres dansant. C'est hyper pratique. Voilà. Et voilà, les amis, je suis prête, finie. J'ai plus rien à faire là. Enfin, j'ai plus rien à faire. Je me suis fait une petite beauté. Pour que vous voyez mieux, j'ai fait ça. Et voilà. Je suis prête. Enfin, la fête. Je vais prendre celle-là, moi. We have
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. Bonjour, il est maintenant 6h07. Le soleil se lève doucement sur Hambourg et moi je rentre à la maison parce qu'il est temps à un moment donné d'aller se coucher aussi. J'ai rencontré par un peu des hasards une collègue de travail qui est à peu près l'âge d'être ma mère. Donc c'est assez rigolo de la retrouver sur le fiche marque à la fin. Et moi je vous présente une dernière vue pour cette journée, je pense, du samedi. Même si maintenant on est déjà dimanche. Et on voit là, ici, là, on voit l'aile philharmonie que je vous montrais souvent en photo. Voilà, le petit coin. Le truc le plus honteux de Hambourg, puisqu'elle n'est toujours pas terminée depuis que les travaux ont commencé. Et les bateaux, évidemment, de Landungsbrücken. Avec ici la pièce, le théâtre musical de Roi et Lion. Le truc jaune là où je mets mon doigt. Voilà. Je vous souhaite la bonne chose. Jusqu'à demain. Never knew that it could mean so much. So much. You're the feel, I don't care. Cause I've never been so high. Follow me to the dark. Let me take you past our satellite.